Nous avons, dès la nouvelle mandature, au sein de la commission de travail emploi du Conseil économique, social et environnemental, posé la problématique du changement climatique en lien avec le travail dans une approche santé. Cela faisait suite aussi à un avis qui est sorti il y a quelques mois par la commission affaires sociales sur santé-environnement. Nos travaux s'inscrivent dans une suite de cet avis en pointant et en accentuant le regard sur le travail et la nécessité des transformations du travail liées au changement climatique. La pertinence du travail de cet avis s'est révélée durant l'été, avec le dérèglement climatique à l'œuvre et les chaleurs que nous avons eues à subir. La question donc de la transformation des situations de travail pour nous adapter à ce changement climatique, à ce dérèglement, est totalement posée. Et donc nous allons travailler à partir de cette vision macro où la planète Terre est dans ce dérèglement climatique, travailler des préconisations au plus près des situations afin de permettre rapidement de pouvoir mettre en œuvre pour le monde du travail des adaptations aux situations traversées.